Bon, et bien c'est bientôt Noël. Je sais absolument pas quand est-ce que sortira cette vidéo, donc ça se trouve, pour vous, c'est Noël, je sais pas. Du coup, bah, si c'est Noël, joyeux Noël! Bon, moi, je tourne le 25 novembre, là, donc il n'y a pas encore de sapin. Mais, Poséidon le cactus, on va le poser quelque part. Il s'appelle Poséidon, il y a un problème. Voilà, il sera posé là tout le long de la vidéo. Bon, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des films de Noël. C'est sûr, t'en as déjà vu un dans ta vie. Non, mais ça sert à rien de me mentir. Je suis certain que t'as déjà vu un film de Noël dans ta vie. D'ailleurs, rien à voir, mais il y a Klaus. Klaus, ça se dit comme ça, j'espère. Qui est sorti sur Netflix et à ce qui paraît, c'est un très bon film. Moi, je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Donc, je vous dirai, je pense, sur Twitter ce que j'en ai pensé. Oui, sur Twitter, et alors? Oui, bah, tu télécharges Twitter si t'as pas Twitter et tu regarderas ma réponse. Oh. Bon, et bien, on va faire par étapes. Genre, étape numéro 1. Enfin, le problème avec ça, c'est que je suis sûre qu'à un moment, je vais dire, genre, étape numéro 4, et au final, j'aurais fait 3, genre. Parce que je suis pas très fut-fut, quoi. Bon, du coup, étape numéro 1. Il faut absolument un pompier qui s'appelle Brian et qui est musclé et BG. Sam, c'est notre héros à nous. Parce que, à votre avis, pourquoi les filles, les femmes, regardent les films de Noël? Bah oui, bah, c'est pour les pompiers. Et franchement, qui dit histoire de Noël, dit histoire d'amour. Enfin, dans les films, en tout cas. Ok, Google, penses-tu que je vais trouver l'amour à Noël? Pardon, mais là, je passe mon tour pour cette fois. Alors, il y a les deux Google Home qui ont parlé. Le mien a dit, pardon, je passe mon tour pour cette fois. Et celui de mon frère a dit, une personne aussi exceptionnelle que vous. Quoi, il a dit quoi déjà? Bon, c'était gentil en tout cas. Merci Google Home de mon frère. Étape numéro 2, il faut une femme qui a perdu son mari il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas bien, qui a genre une fille, et voilà, elle vit toute seule avec sa fille. Et pourquoi il faut cette femme? Parce que il faut qu'elle trouve l'amour. Et comment est-ce qu'elle va trouver l'amour? Elle va tout simplement rencontrer Brian. Cette femme, on va l'appeler Jennifer. Ce sera plus simple pour la suite de la vidéo. Et pour le prénom de la fille, j'ai demandé à Google deux fois. La première fois, il m'a répondu Angèle. La deuxième fois, il m'a répondu Aya. On va partir sur Angèle. Hein. Trois ou quatrième étape, je sais pas trop. Il faut bien évidemment un Père Noël. Mais alors, dans ce style de film de Noël, il faut pas un Père Noël en mode grave bien fait. Voilà, le Père Noël. Non, non, il faut le Père Noël de chez Lidl. Mais si, regarde, lui. Bon, du coup, il va falloir que Brian et Jennifer se rencontrent. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va pouvoir créer un incendie. En gros, il y aura une belle décoration de Noël et hop, juste avec un truc d'électricité ou un truc comme ça, il va y avoir un incendie. Et comme par hasard, qui est-ce qui tenait ce magasin, par exemple? Jennifer. Et là, je vous rappelle que Brian est pompier. Et les pompiers, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a feu, ils éteignent. Le burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh, du coup, Brian, il va sauver le magasin de Jennifer. Il va la sauver, elle aussi. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Jennifer va dire, oh, merci beaucoup, Brian. Alors qu'il y a tous les pompiers aussi qui l'ont aidé. Mais c'est lui qui kiffe, c'est lui. Voilà, elle a vu sa tête, elle s'est dit, lui, ah, lui, il m'intéresse. Du coup, elle va aller le voir. Elle va aller le remercier, elle va lui donner son numéro, ils vont prendre un café, un truc comme ça. Voilà, ils vont continuer à se voir et tout. Et hop, premier baiser, sous la neige, il faut de la neige. Mais un jour, il va se passer un truc pour que Angèle et Brian se séparent. Non, pas Angèle, c'est dégueulasse. Ah, pour que Jennifer et Brian se séparent. Brian va sauver une autre femme et la femme va lui faire un câlin ou un truc comme ça. Sauf que Jennifer va arriver au même moment et Jennifer va croire que Brian la trompe. Voilà, c'est triste, ils vont s'engueuler. Brian va lancer la fameuse phrase « Non, c'est pas ce que tu crois !» dans tous les films, les gars. Donc voilà, Jennifer va se casser, elle va rentrer chez sa maman. Comme par hasard, Brian et Jennifer vont parler à leur meilleure amie, Thomas et Aya. Aya, qui est la meilleure amie de Brian, et Thomas, qui est le meilleur ami de Jennifer. Et donc voilà, Thomas et Aya vont conseiller leur meilleure amie Jennifer et Brian de se réenvoyer un message. Donc, je sais pas, Aya va dire à Brian, envoie un message à Jennifer, bordel! Sauf que lui, on rappelle, Brian a un petit ego surdimensionné. Donc lui, il sait pas mettre sa fierté de côté. Ils vont tous les deux faire croire à leur meilleure amie qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont pas fait, ils sont envoyés aucun message. Et là, il va y avoir la scène où Angèle va voir le Père Noël. Père Noël,
J'aimerais beaucoup que Brian et ma maman se remettent ensemble. J'aimerais que Brian et ma maman se remettent ensemble. Pas se remettre. Elle a 6 ans, on le rappelle. Le Père Noël de chez Lidl va tout faire pour qu'il se passe encore un accident ou un truc comme ça. Et que Brian aille encore une fois sauver Jennifer. Je sais pas exactement pourquoi ça va se passer, mais voilà, coup de foudre. Bam, bam, bam. Amour. Ils vont passer Noël ensemble. Ça va être cool, voilà. Hop, petite scène de fin. Voilà. Et le Père Noël qui fait un clin d'œil. Bizarre quand même. Et voilà, c'est mon film de Noël qu'on va appeler... Comment on va l'appeler ? Poséidon de Noël. C'est pas ouf comme nom, mais ça passe. Voilà, au lieu que ce soit le Père Noël, bah, c'est le Poséidon de Noël. Parce que c'est grâce à lui que Brian et Jennifer ont retrouvé l'amour. Enfin, ils sont remis ensemble, quoi. Si jamais cette vidéo vous a vraiment plu et que vous voulez vraiment que je réalise le film Poséidon de Noël, et bah je vous propose de me le faire comprendre avec les likes et les commentaires, et peut-être que je le ferai pour Noël. Ah oui, mais attends, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Et bah si cette vidéo sort avant Noël, genre je sais pas, le 1er décembre par exemple, et bah je ferai un court métrage de Noël qui s'appelle Poséidon de l'amour avec toute l'histoire que je vous ai racontée. Ah ouais, mais non, il faut que je trouve des acteurs. En plus, je suis un enfant, un ado. Je le ferai peut-être. Faites-le moi comprendre que vous aimerez bien. Après, si vraiment vous en foutez, laisse tomber, je le ferai pas. Donc, s'il y a des potes qui passent par là et qui pourraient se proposer pour jouer des rôles, eh ben envoyez-moi un message sur Insta. Merci. Attends, c'est pas encore fini. Cette vidéo n'est pas encore finie. Parce qu'il faut que je vous parle d'un truc. Si vous ne savez pas quoi commander pour Noël, si cette vidéo sort avant Noël, encore une fois, j'ai une petite idée, moi. En gros, je suis en collaboration avec la marque Clovis. Si vous ne connaissez pas cette marque, je peux juste vous dire que c'est une excellente marque. Si vous aimez un petit peu les vêtements que je porte dans ce style assez simple, voilà, bah vous allez aimer la marque. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah, j'ai une collection avec eux. C'est-à-dire qu'il y a la collection laine à mon effigie. Alors, je vous rassure, il n'y a pas ma grosse gueule sur le t-shirt. J'ai essayé de faire des trucs plutôt simples, assez simples en tout cas. Voilà, je vous affiche quelques modèles. Hop, 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 hop. Les prix sont vraiment raisonnables. Donc voilà, je vous conseille fortement d'aller acheter. Ça me ferait vraiment plaisir et ça boosterait leur marque parce qu'ils sont pas encore très connus. Et du coup, bah, ça pourrait les faire un petit peu augmenter. Donc merci beaucoup à tous ceux qui iront acheter ma collection, ou même pas que, hein, parce qu'il y a la collection classique, il y a la collection Clovis 2020 et il y a ma collection. J'ai fait 4 lieux alors qu'il y en a que 3 pour le moment. Bon voilà, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Allez, voilà, je vais bientôt arrêter de faire ça parce que ça commence à me saouler.